Twitch ma vidéo Q&A. Donc, vous m'avez posé des questions et je réponds aux questions. Dans le fond, j'ai posé des questions sur YouTube. J'ai eu comme 2 ou 3 questions. Vraiment pas beaucoup. Par contre, sur Instagram, j'ai fait un Q&A anonyme. Puis là, j'ai eu plusieurs questions. Fait que je vous réponds ça. Fait que je les ai mis dans mon téléphone. J'ai pris des photos. Ok. Je vais commencer par... Parfait. Fait que on y va comme ça. Je voulais comme trouver une idée de... d'original de répondre aux questions, mais là, je me suis dit, on va y aller simple. Puis, on va commencer par ça. j'ai eu, tu devrais te faire tatouer. Je sais pas c'est quoi le rapport, mais j'ai déjà des tatous. Je vais en profiter pour répondre à une question. Dans le fond, j'ai mon horloge. Je sais pas si je suis capable de la montrer. Toutes les aiguilles montrent la date de fête de mes enfants. Ensuite de ça, j'ai mon... Je sais pas si on voit bien comme ça. En tout cas, c'est mon ancien chien peluche qui est décédé. Puis une rose. Ensuite de ça, j'ai un tatou dans le bas du dos que je me suis fait faire très jeune. Je pense que j'avais 13 ans. C'est un dauphin qui est vraiment laid. Mais ça paraît vraiment pas. Fait que je vais le laisser là. Puis c'est sûr que j'aimerais ça pour faire continuer mon bras. Mais tu sais, je veux pas de n'importe quoi. Fait que quand il va comme avoir un flash, je vais peut-être me faire tatouer. J'ai eu justement, là, il y a pas longtemps, je me suis dit que je pourrais me faire tatouer quelque chose qui avait rapport à mon ami. Mais je cherche encore comme quoi serait vraiment significatif. J'ai quelques idées, mais c'est encore à réfléchir. Alors voilà pour cette pas question, mais qui fait une question quand même. Après ça, quelle est la chose dont tu es le plus fier dans la vie? C'est sûr et certain que c'est mes enfants. Comment que j'ai réussi à rendre chacun de mes enfants là où ils sont rendus en ce moment. C'est sûr que quand que je suis tombée enceinte de mon premier enfant, je pensais pas peut-être réussir autant. Puis, tu sais, j'avais beaucoup, beaucoup d'embûches. Fait que c'est vraiment ma famille. C'est de voir qu'on est aussi... comment je pourrais dire ça? Aussi unis, puis qu'on a une belle famille, puis que moi et mon chum, on est encore ensemble, puis on a surmonté toutes ces épreuves-là. Fait que c'est ça, ma famille. tu as dit que tu étais travailleur autonome. Dans quel domaine? Merci et continue comme ça. Ça, j'ai eu vraiment beaucoup cette question-là, mais dans différentes structures. Dans le fond, moi, je suis infirmière auxiliaire, donc j'ai fait un DEP pour être infirmière auxiliaire. Tu peux faire un DEC pour devenir infirmière, mais vu que j'ai eu mon premier enfant, justement, je suis enceinte à 17, j'ai fini, j'ai accouché à 18, mais là, j'ai comme pas poursuivi mes études, fait que j'ai refait plus tard un DEP, puis je trouvais que c'était la meilleure façon d'accéder à avoir un travail bien rémunéré le plus rapidement, puis c'était dans mes goûts aussi. Fait que dans le fond, je travaille pour la compagnie Biron, fait que je suis travailleur autonome pour cette compagnie-là. Dans le fond, je pourrais travailler pour d'autres compagnies en étant travailleur autonome. C'est juste qu'en ce moment, Biron m'offre des contrats en masse pour que je puisse faire toutes les heures que j'ai besoin. Fait que dans le fond, Biron, c'est des cliniques médicales, mais privées, qui offrent différents services. Puis moi, je travaille pour la partie entreprise. Donc, Biron offre des services médicaux en entreprise et c'est ce que moi, je fais dans le fond. Je vais dans les entreprises directement offrir des services médicaux. La plupart des services médicaux qu'on offre directement en entreprise, ça va être des pré-embauches. Donc, plusieurs tests qu'on peut faire directement là-bas. Je vous donne un exemple. Mettons, la compagnie Métro veut engager plusieurs employés. Fait qu'ils font une journée d'embauche. Fait que là, eux, ils ont leur personnel pour faire les entrefilles et tout ça. Puis moi, je vais directement là-bas et je vais faire un test, je sais pas moi, ils veulent engager des personnes pour travailler dans leur shop, pour placer des boîtes et tout ça. Fait que je vais faire pression, poids, grandeur. Je vais voir ces données-là s'ils sont corrects. Et ensuite de ça, je vais, ils ont un questionnaire médical à répondre. Fait que je vais regarder avec eux le questionnaire médical, voir s'ils n'ont pas des problèmes de santé qui pourraient nuire à leur travail. Ensuite de ça, on peut faire des tests de drogue. Donc, il y a des tests d'urine qui dépistent la plupart des drogues. Fait que si l'employeur ne veut pas qu'ils consomment telle drogue, ben, on fait ça. Sinon, il va y avoir des tests auditifs qu'on peut faire, des tests visuels. Fait que c'est tout ce genre de tests-là qu'on offre dans plusieurs circonstances. Donc, dans les pré-emploi, on les offre aussi au centre jeunesse pour les gens qui ont un dossier au centre jeunesse. Là, mettons des parents qui ont consommé des drogues puis se sont fait enlever leurs enfants. Fait que nous, on va directement dans les centres jeunesse faire des tests d'urine de drogue, des tests de cheveux pour dépister les drogues et des tests salivaires pour dépister les drogues.
Sinon, Biron, on déclinique médical en entreprise. Donc, on fait les mêmes services, mais directement en entreprise, directement en clinique. Fait qu'on a des cliniques spécialisées pour ça. Fait que les employeurs envoient leurs nouveaux employés, ben, leurs prochains dans nouveaux employés, dans la clinique. On fait tous les tests médicaux. Puis là, des fois, c'est un petit peu plus poussé. Il peut avoir le médecin aussi qui va lui faire une évaluation médicale. Fait que, c'est ça. Fait qu'il y a des journées que je travaille en clinique. Fait que voilà, c'est comme ça. Fait que dans le fond, eux, ils me payent, mais c'est vraiment moi qui s'occupe de tout ce qui est impôt et tout ça, là. Tout l'argent qu'ils me donnent, c'est pas imposable, c'est les chèques qu'ils me donnent. Puis après ça, ben, moi, je dois gérer le reste et faire mes impôts et tout ça. C'est pour ça que je suis travailleur autonome. Alors, voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu fais au juste comme emploi? Au quotidien, des fois à Ottawa, à Québec et à Chalaga la fin de semaine. C'est un peu la même affaire, mais je vais juste rajouter quelque chose. Dans le fond, depuis le 1er janvier, je travaille pour comme employé à la clinique Hochelaga. Donc, ça, c'est une clinique médicale, un GMF, qui est pas si loin, ben, qui est comme à environ 30 minutes de chez moi. Fait que je travaille comme infirmière auxiliaire au triage. Donc, avant que, mettons, vous allez prendre un rendez-vous chez le médecin, puis que vous vous faites trier avant par l'infirmière, là, prendre vos signes vitaux, prise de sang, ECG, tous les tests avant de voir le médecin si nécessaire, ben, c'est moi qui le fais. Puis ça, je suis vraiment une employée. Je travaille quelques soirs semaine, puis une fin de semaine sur deux. Puis c'est pour ça que je suis souvent à la clinique Hochelaga. Puis elle me dit pourquoi des fois à Ottawa, des fois à Québec, mais mes contrats que je travaille pour Biron comme travailleur autonome, mais ça peut être vraiment partout à travers le Québec. Tu sais, j'ai déjà travaillé à Baie-Comeau, même à Val-d'Or, que j'avais été en avion faire ces contrats-là. Fait que c'est vraiment, on dessert là, tout le Québec et plus encore. Là. Fait que c'est pour ça que des fois, les préemplois, ils peuvent être partout. Fait que mettons, comme quand j'étais à Ottawa, c'était pour la compagnie Voilà IGA. Fait que eux, ils embauchent beaucoup, beaucoup, beaucoup de livreurs pour faire leur livraison d'épicerie. Fait que nous, on fait les tests pour eux, pour voir si c'est des bons employés pour être engagés. Fait que c'est pour ça que je me déplace vraiment partout. Ensuite, quel rêve aimerais-tu réaliser? J'ai pas des grands rêves comme précis, genre, mais c'est sûr que moi, tout ce qui est voyage, genre, je trippe bien raide. Mon plus grand rêve que je pourrais dire. Mais en même temps, ça fonctionne pas parce que moi, mon plus grand rêve, je pense que ça serait vraiment de faire le tour du monde avec toute ma famille. Genre, aller comme prendre un an, puis genre partir les 6 ensemble, puis faire le tour du monde. Mais c'est sûr que c'est comme ça se peut pas parce que nos enfants ils ont plein d'âges différents, ils sont rendus à plein d'étapes, fait qu'ils ont plein de choses. C'est comme mon fils s'en va au cégep, ma fille est en sport-études en cheerleading, elle pourrait pas comme manquer un an d'école. Elle peut pas manquer non plus un an, même si ça serait pas en sport-études. Je veux dire, tu peux pas. Puis, tous mes enfants sont à l'école. Fait que c'est comme impossible. Je dis pas que quand que les enfants vont être plus vieux, que ça serait pas une possibilité. Tu sais, je sais pas, quand eux, ils seront rendus adultes, chacun leur vie, puis qu'on pourrait partir toute la gang, peut-être pas un an, mais ça serait vraiment de faire des gros voyages, toute la famille ensemble. Je pense que ça serait mon rêve le plus fou. Voilà. Quel rêve aimerais-tu réaliser? Quel voyage aimerais-tu faire de tes rêves? Ben dans le fond, j'ai toujours comme eu un petit goût d'aller en Thaïlande. Je sais pas pourquoi, mais ça, on dirait que ça me parle beaucoup. J'aimerais vraiment beaucoup aller en Thaïlande. Sinon, l'Afrique, faire comme un genre de safari en Afrique, ce serait vraiment malade aussi. Mais c'est ça, la Thaïlande, je pense. Puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que Dani fait dans la vie? Comment vous faites pour gérer vos horaires ensemble avec les enfants? Dani est manœuvre spécialisée en maçonnerie, donc il travaille dans la brique. Fait que lui, c'est la personne qui va tout préparer là, pour les bricoleurs. Il fait ça depuis l'âge de 19 ans, si je ne me trompe pas. Dans le fond, il a été au cégep, il a changé d'idée, puis il a fait un petit cours, genre très, très, très court là, pour être manœuvre. Puis il a travaillé, je pense, 15 ans pour le même patron. Lui, il a pris sa retraite pour aller travailler pour une autre compagnie.
Fait qu'il est madame dans la construction. Avec la compagnie qui travaille en ce moment, c'est super parce que c'est super flexible. Fait qu'il peut, tu sais, mettons, si moi, vu que j'ai des horaires comme un peu plus atypiques, je commence plus tôt, mais lui, il peut s'arranger avec son travail pour commencer un peu plus tard, puisque ça soit lui qui aille porter les enfants. Fait que c'est ça. Fait que ça gère vraiment bien nos horaires. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est que moi, j'ai pas mal mon horaire comme là, cette semaine. Là, cette semaine, c'est pas pareil, là, parce que j'ai pas grand-chose. Mais mettons, d'habitude, comme. La semaine passe, vers la fin de la semaine, j'ai pas mal tout mon horaire pour la semaine d'après. Fait que je regarde les heures que je commence, si je commence plus tôt que la garderie commence, mettons. Parce qu'Élie, sa garderie, elle ouvre à 7 heures. Ouais, 7 heures. Fait que si je commence à 6 heures, ben là, c'est sûr et certain que c'est Dany qui doit aller porter les enfants. Fait que je lui dis comme d'avance, puis lui, ben il dit à son boss ses journées qu'il doit rentrer un petit peu plus tard. Fait que ça va vraiment bien, on gère super bien ça. Voilà. Trouves-tu ça difficile, le grand écart entre ton plus vieux et ton plus jeune? Non, vraiment pas. Dans le fond, je trouve ça le fun. Je trouve ça plutôt le fun parce qu'on dirait qu'Anthony, de plus en plus qu'il vieillit, de plus en plus qu'il a comme une relation différente un peu avec ses frères et sœurs. Plus de, comment on dirait ça? Ben, de grands frères, là, mettons. Avant, c'était comme. Plus il leur tapait ses nerfs, mais maintenant je trouve que t'sais, tu vois qu'il prend son rôle de grand frère plus à cœur. Comme hier, mettons, il travaillait au McDonald's, puis il a dit à Ellie, il dit, oh, je vais te ramener des boîtes de carton, on va se faire un garage pour tes autos, puis tout ça. Fait que je trouve que c'est super. Puis sérieusement, non, je vois vraiment pas d'inconvénients, puis de difficultés. C'est juste que c'est vraiment comme un énorme clash entre les deux, là. T'sais, mon plus vieux jeune commence à maternelle, puis mon plus vieux commence à cégep. Fait que, mais non, il n'y a pas de difficultés. Je trouve que j'ai vraiment tous les âges, là. Dans le fond, ils ont 4, 10 ans, 13 ans, puis 16 ans. Fait que je vis comme plein d'étapes à la fois, mais ça va super bien. Ils ont quand même une bonne différence d'âge entre chaque. Fait que ça a toujours été quand même facile. J'ai toujours attendu que mon premier ait 3 ans avant d'en avoir un autre. Et ainsi de suite jusqu'au troisième. Jusqu'au quatrième. Au quatrième, ils ont une différence de 6 ans entre les deux. Mais mon 3 ans, entre 3 ans, là, mon 3 ans d'écart, je trouve que c'est parfait. Puis non, c'est ça. Pour répondre à votre question, c'est pas difficile. Ton plus gros complexe. Mon plus gros complexe, j'y ai pensé, là, parce que je lisais les questions, puis j'étais comme, qu'est-ce que je veux dire à ça? Dans le fond, j'ai pas de plus gros complexe, genre que genre, je stick là-dessus, là. Mais la seule affaire que j'aime vraiment, vraiment, vraiment pas, puis qui change pas sur moi, c'est, vous allez trouver ça drôle, mais c'est mes mains. Genre, j'ai des grosses mains de gars, genre, je trouve. Genre, j'ai pas des mains féminines. Là, j'ai du cutex, mais c'est ça qui fait que mes mains vont vraiment. S'améliorer, je trouve, du cutex, mais du vernis, mais c'est ça, j'ai des grosses mains, tu sais, j'ai pas des mains féminines. Quand je travaille, souvent, comme je travaille avec mes mains, je veux dire, j'ai des prises de sang, j'utilise souvent mes mains, puis les gens voient mes mains, fait que je suis comme tout le temps, oh, si vous devez se dire que j'ai des grosses mains laides. Puis en plus, moi, je suis vraiment pas très minutieuse dans la vie, genre, je suis vraiment comme plus tomboy que féminine. puis, genre, mes mains, tu sais, c'est ça. Genre, tu sais, mais habituellement, j'ai pas des ongles très très longs. J'ai les ronges des fois. J'ai pas de vernis la plupart du temps. Fait que je trouve que mes mains sont vraiment pas belles. Puis, c'est un peu con, là, mais bon, moi, c'est ça. Puis aussi, depuis que je suis jeune, genre, je tremble. Fait que peu importe, quand que je fais quelque chose qui est minutieux, je vais me mettre à trembler. Mais c'est pas parce que je vis du stress, mais vraiment pas. C'est comme ça. Genre, même Anthony est comme ça. Puis je pense que j'ai retenu de mon père parce que mon père tremble vraiment beaucoup. Fait que là, mettons, je vais faire une prise de sang. Des fois, je vais trembler un petit peu. Je veux dire, ça nuit pas à mon travail, mais là, les gens, eux, ils pensent que moi, je suis stressée. T'sais, ils doivent se dire, oh my god, t'es nouvelle ou je sais pas trop quoi. Mais vraiment pas. Fait que plus que c'est minutieux, plus que genre, mes mains tremblent un petit peu. T'sais. Mais avec le temps, genre, je réussis un peu moins. Mais dès que je vois que je tremble un petit peu puis que la personne le voit, ben là, c'est pire, je me mets à trembler encore plus. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, mon plus gros complexe, mes mains. Mais je pourrais dire que c'est pas un plus gros complexe parce que, tu sais, je me dis que, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'un complexe ne peut pas se changer vraiment, tu sais, de soi-même. Je peux pas faire d'efforts pour changer mes mains. Je veux dire, ils vont toujours
rester gros, mes mains. T'sais, ils vont pas changer. Je pense pas que je peux perdre de poids de mes mains. Mais mon ventre, vu qu'avec les enfants, t'sais, moi j'ai toujours eu un ventre un petit bedaine. Même quand j'étais jeune, j'ai toujours eu un plat, on appelle, là. Pas gros, mais comme j'ai toujours une petite bedaine, j'ai jamais été comme plat. Plat. Plat, ouais. J'ai jamais été comme très très plat et ferme, là. Fait qu'avec les enfants, mais c'est encore un petit peu plus pire, là. J'ai quand même une petite bedaine. T'sais, mettons que je mets un maillot taille haute, puis tout ça, je trouve ça super correct, mais ça me. Genre, mettons que je mets une culotte justement qui est plus basse, mais mon ventre, il me dérange quand même beaucoup. Mais ça m'atteint pas tant que ça, je veux dire. Non, je pense que c'est bien correct finalement. Après, ça fait combien de temps? 15 minutes quand même? Je pensais pas que j'allais avoir autant de questions. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, toi et Dani? Dans le fond, j'ai rencontré Dani en novembre 2006. Un mois et demi plus tard, puis en novembre 2006, j'avais 17 ans. Fait que ça fait. Anthony a 16 ans. Ça fait 17 ans. Ouais. Parce que dans le fond, je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. Un mois et demi plus tard, je tombe enceinte. Non, je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. Bon, c'est ça. Je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. Un mois et demi plus tard, je tombe enceinte. À 18 ans, presque pile, j'ai accouché d'Anthony. Fait que Anthony, il a maintenant 16 ans. Puis nous, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Que ça fait vraiment longtemps. Plus que la moitié de ma vie, dans le fond, c'est la moitié de ma vie carrément. Oui. J'ai toujours été avec Dani. Avant Dani, je peux rajouter des informations à cette question. Avant Dani, dans le fond, j'ai jamais eu de grosses relations. C'était plus des genre des petites relations. Jamais de rien de très, très, très intense. Mes chums que j'avais, ça durait comme un mois et demi. Puis après ça, ils me tapaient vraiment ses nerfs. Puis je les laissais. Puis j'étais comme, ah, c'est pas toi, c'est moi. Mais c'est vrai, genre, on dirait que, genre, j'arrivais pas à trouver quelqu'un qui. Tu sais, j'avais juste 16-17 ans. J'arrivais pas à trouver quelqu'un que j'aimais ou qu'il me tapait pas ses nerfs, mettons. Puis Dani, mais le fait que je sois tombée enceinte de lui, mais on dirait que j'ai fait comme vraiment plus d'efforts pour comme. Pas pour qu'il me tape pas ses nerfs, mais tu sais, pour que ça fonctionne. Puis, il n'y a jamais comme rien qui me tapait ses nerfs au début, que je fasse comme, oh my god, je peux plus, genre. Fait que c'est ça. Votre prochain voyage. J'en ai pas parlé encore. ça fait 2, 3 mois. 2 mois. 2 mois, je pense. Qu'on a réservé un voyage, mais vraiment un voyage d'une vie. Dans le fond, on voulait comme faire un autre voyage, moi et Dani, mais un voyage qui est vraiment plus touristique, puis moins comme tout inclus et tout ça. Puis on regardait des affaires, nanana. Puis là, finalement, on a décidé de réserver pour Hawaï. Fait qu'on s'en va cet été à Hawaï, à Honolulu. C'est réservé, ça fait quand même un bon 2 mois. Fait que, ouais. C'est réservé, ça fait un bon 2 mois. Fait que je suis vraiment excitée, j'ai full hâte d'y aller. On part juste moi et Dani, donc pas d'enfants. C'est ma mère qui va venir garder les enfants à la maison. On part 10 jours, c'est comme notre plus long voyage. On n'est jamais parti 10 jours, on part tout le temps comme 7 jours. Fait que c'est ça. J'ai full hâte de vous reparler et tout ça. Mais ouais, c'est notre prochain voyage prévu. Puis dans le fond, c'est en juillet cet été. Fait que c'est quand même un petit bout, mais j'ai bien, 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 bien hâte. As-tu déjà été maman à la maison? Non, dans le fond du plus. T'sais, je suis tombée enceinte, j'avais 17 ans. J'avais pas de congé maternité parce que je travaillais pas à ce moment-là, j'étais à l'école. Fait que Dani a pris le congé de paternité au complet. Parce que dans le fond, lui, dans ce temps-là, il travaillait pas l'hiver. Fait qu'à la place de prendre du chômage qui était comme un peu moins payant, il a pris le congé de paternité. Puis moi, je pense que quand Anthony avait 2 mois, j'ai recommencé à travailler. J'ai pris un 2 mois à mes frais. Puis à 2 mois, j'ai recommencé à travailler dans un magasin de moto. Après ça, j'ai travaillé tout le temps, à part mes congés de maternité. Puis pendant que j'ai été retournée à l'école pendant 2 ans, j'avais des prêts et bourses. Puis à un moment donné, j'avais même recommencé à travailler comme une fin de semaine de temps en temps parce que les prêts et bourses, c'était pas beaucoup. Mais c'est ça. J'ai toujours travaillé ou été à l'école, puis j'ai jamais été maman à la maison. C'est pas quelque chose que j'aimerais faire. On dirait que quand je suis à la maison, genre, ça me tape ses nerfs. Fait que je pense pas que je pourrais comme être toujours à la maison, puis être juste, pas être juste, mais être maman, puis ne pas.
m'accomplir autrement. Fait que voilà. Quel autre métier aurais-tu aimé faire à part infirmière? Bonne question. Quand j'étais jeune, j'avais comme deux métiers que je voulais faire, mais quand j'étais vraiment jeune, je voulais être avocate ou hôtesse d'honneur. Fait que maintenant, on dit plus agent de bord, mais ouais. Fait que avocate, je pense que j'aurais été vraiment une bonne avocate. C'est sûr que avec mon chemin de vie, mais là, ça a été plus difficile de retourner à l'école faire ça, mais parce que tu sais, j'ai pas été au cégep, mais je suis pas déçue de mon choix de carrière. J'adore mon travail et tout ça, mais avocate, je pense que j'aurais été vraiment bonne. Je pourrais, tu sais, y a rien qui m'empêche de me dire, hey, je m'en vais à l'école puis je fais ça, mais c'est pas un rêve en ce moment. Genre, j'apprécie mon travail et puis je suis très bien épanouie dans le travail que je fais en ce moment. Mais ouais, je pense que j'aurais été une bonne avocate. Puis hôtesse d'honneur, mais ça doit être malade de voyager tout le temps partout. Moi, je capote sur les voyages. Okay. Comment ça a été de devenir maman aussi jeune? Est-ce que ça a été difficile sur votre couple? Oui. Oui. Premièrement, on se connaissait pas. Fait que ça, c'était comme très difficile. Dans le fond, moi, j'ai comme tout de suite su que je voulais le garder, malgré que je connaissais pas d'amis, puis qu'on n'était pas vraiment un couple. T'sais. Ça faisait un mois et demi, là. Je veux dire, oui, on avait des affinités, oui, on voulait poursuivre, mais tu sais, de là à dire on va faire notre vie ensemble, pas vraiment. T'sais. Fait que ça a été difficile au début de juste comme accepter tout ça, de tous les chamboulements que ça amène dans notre vie, les deux. T'sais. Lui, c'est un jeune qui clubait et tout ça, qui allait dans les bars. Puis moi, ben, j'étais une jeune fille qui allait à l'école. Fait que, je veux dire, on était vraiment pas rendus à mes places. Lui, il avait un appartement, il avait sa job de vie, genre. Moi, vraiment pas, tu sais. Fait que, au départ, ça a été vraiment difficile, là, comme, trouver, comme, ben, de se faire une vie à deux, genre. Puis de, tu sais, comme, pendant tout le temps que j'étais enceinte, Dany, lui, des fois, il allait encore dans les bars et tout ça. Là, moi, je trouvais ça, tu sais, j'étais comme, moi, ça me tente pas d'y aller dans les bars, tu sais. J'ai jamais eu vraiment aussi les envies d'aller dans des bars et tout ça, parce que j'ai passé de, genre, adolescente à maman, fait que ça n'a jamais été comme une grosse partie de ma vie, mais lui, il y est encore. Là, après ça, ben là, on est vraiment devenus comme tout le temps ensemble. Fait que ça aussi, on dirait qu'à un moment donné, on était toujours ensemble, on n'avait pas d'activité de chacun notre bord. Ça fait en sorte que, oui, il y a eu beaucoup de passes difficiles, aussi financièrement, ça a été vraiment difficile. Tour dans notre vie, dans le fond. Anthony, il n'y avait même pas un an, on s'est acheté une maison. Mais tu sais, on a réussi à s'acheter une maison, je ne sais pas comment on a fait, mais on a réussi à s'acheter une maison, mais avec un taux d'intérêt qui était très haut dans ce temps-là. Fait que financièrement, c'était vraiment, vraiment difficile d'arriver chaque mois. Là. Chaque mois, on avait de la difficulté, puis une chance que les parents de mon chum nous ont aidés, parce que sinon, je ne sais pas comment on aurait arrivé. Mais ouais, on a eu beaucoup de difficultés financières au départ. Fait que ça aussi, ça n'aide pas sur un couple. Puis, c'est ça. Fait que, non, ça n'a pas été facile, mais on dirait que le fait d'avoir un enfant ensemble, on se disait les deux que c'était impossible que, genre, on scrape ça puis qu'on fasse, ben, ça marche pas, puis qu'on se sépare, tu sais. On tenait vraiment à ce que ça fonctionne pour notre enfant. Puis, Anthony, lui, dans le fond, pas Anthony, Dany, lui, il voulait pas garder au départ l'enfant parce qu'il se disait qu'il était pas prêt. Mais il m'a dit, si toi tu tiens tant que ça, ben je vais faire les efforts nécessaires pour que ça fonctionne. Puis il a fait les efforts nécessaires, puis ça a fonctionné. Mais sans, je pourrais pas vous dire que ça a été sans embûches. Ça a été quand même difficile. Mais maintenant, je vous dirais que ça va vraiment. Tu sais, on chicane comme toutes les couples normales, je pense. Mais ça va vraiment mieux. On se connaît beaucoup. Puis on sait aussi nier chacun nos défauts et tout ça. Fait que, ouais, ça va mieux. Là, j'avais comme trois questions sur YouTube. J'ai bien hâte de voir. Non, c'est pas ça. Quels sont les projets vacances en famille cet été? Ben, dans le fond, là, c'est ça. Vu que nous, on s'en va à Hawaï en juillet, on n'a pas de voyage prévu avec les enfants, parce que c'est quand même un bon budget qui part pour notre voyage. Mais normalement, on part tout le temps comme soit en Floride ou on fait quelque chose de spécial avec les enfants l'été. Mais là, ça va être vraiment des petites activités sûrement par-ci, par-là. On n'a rien de planifié comme de gros voyages avec les enfants. Puis c'est bien correct parce que, je veux dire, on est parti déjà en Floride cet été, cet hiver. On est parti en Floride à la semaine de relâche. On est parti à Cuba en décembre. Cet été, on est en Floride aussi. Mais ça, ouais. Fait que là, tu sais, on peut bien se permettre de partir en voyage seulement les deux.
Puis on va faire plein d'activités ici. Puis en même temps, on peut profiter. Les enfants aussi vont profiter de la cour, puis des amis et tout ça. Parce que c'est rare qu'on en profite parce qu'on est tout le temps en train de planifier plein de trucs. Puis j'ai de la misère à ne pas planifier des choses parce que je veux faire des activités, je veux voir des affaires, puis tout. Mais des fois, on dirait que j'ai de la misère à me recentrer sur, ben, crime, on est bien ici, là, on a la piscine, on a la rivière, on peut faire du kayak. Les enfants, veulent pas, tu sais, c'est bien aussi qu'ils aillent voir leurs amis, aller coucher chez des amis, faire des activités à l'extérieur de la maison. T'sais, comment on dirait ça? On les encorpe beaucoup, puis on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en famille. Mais, tu sais, comme Anthony, c'est sa dernière été. Ouais, c'est sa dernière été avant cégep. Fait que, veut pas, il va profiter, j'imagine, à fond de son été ici avec ses amis, parce qu'après ça, il va être à 4h45 de route, là. Fait que sa blonde, ses amis, il les verra plus aussi souvent. Fait que, je pense qu'il va juste en profiter d'être ici. Puis, même chose à Lisa, elle est rendue à 13 ans. Fait que, elle va travailler aussi, là, elle va commencer à travailler bientôt. Fait que, je pense que. Ils vont être assez occupés comme ça, puis ben, quand on sera pas en voyage, ben, on va faire des petites activités ou profiter juste de la côte. Voilà. Allô, j'ai rien de te découvrir. Je me demandais c'est quoi les services cliniques où tu travailles. Ben, ça, j'ai répondu tantôt, mais c'est ça. C'est la clinique Biron. Il y a quelqu'un qui dit qu'il se demandait la même question. Fait que c'est ça! Mais mon Dieu, ça a duré 26 minutes! Fait que j'espère que vous allez aimer ça, ce genre de vidéo-là. C'est la première fois que j'en faisais un, puis j'étais full excitée de savoir si j'allais avoir des questions, puis j'en ai eu full, fait que je suis vraiment contente. Mais c'est ça, j'en ai eu full anonymement. Mais sur YouTube, je sais pas si c'est parce que les gens ont pas écouté jusqu'à la fin de mon vlog, mais parce que je disais à la fin, ils posaient moi des questions, mais j'ai vraiment pas eu beaucoup de questions, comme trois questions. Fait que, mais bien contente que les gens m'ont posé des questions anonymement. Puis c'était tout gentil. À part la question, ben, qui était pas gentille, mais que j'ai pas trop compris, tu devrais te faire tatouer. Alors voilà, fait que je vous souhaite de passer une belle journée, puis ben, on se revoit prochainement. Bye!